Yo! Attends, mon chéri, viens par ici. Ah, pas encore une discussion, madame. Ça a dû passer l'âge de ces conneries. Danny Glover, l'arme fatale 1987. Madame, one point. Non, mais sans déconner, j'ai 18 piges. Je suis un homme. Parle-moi comme un adulte. Justement, tu vois, t'as 18 ans, c'est... C'est si émouvant de voir son fils devenir un homme. Madame... Avec ton père, on s'est saigné pour vous élever, ta sœur et toi. Donc, il faudrait que tu commences à nous rembourser ce que tu nous dois. Pardon? Ce que je vous dois? Bah oui, tu vois, ces 18 dernières années que t'as passé au chaud, là, sous toi. C'est une blague, là? Non, alors si j'avais voulu te raconter une blague, je t'aurais raconté celle du chien qui pète. Tu veux l'entendre? Non. D'accord, alors pour les mensualités, tu vois ça avec ton père, hein, celui du banquier. Mais non, j'ai même pas de travail. C'est bien, tu commences à comprendre. Adam, one point. Bidi 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 bidi. Allez, au boulot. Les petites annonces, là, dans ta chambre. Allez. Delphine, elle a tège Loïc. Et du coup, peut-être, il y a moyen avec moi. Ce sera bien, ça. Laissez, les gars, aujourd'hui, c'est pour moi. Ah, tu payes ta tournée de chocolat chaud, quoi. T'es trop vieux pour du choco, Slim. Je te paye un café, comme les hommes, les vrais. Un café bien serré, comme le jean de Ludo. J'aime pas les jeans larges. Ouais, et moi, j'aime pas le café. Faut grandir, mon petit Slim. Regarde la vérité en face. Ta jeunesse est derrière toi. La vie est ta mère, mon pote. Comme ce café que tu vas boire. Une jeunesse dorée comme du bon pain. Farcie aux filles faciles et aux 400 coups. J'ai pas de regrets, non. J'ai profité de ma jeunesse. Saluté. Non, c'est dégueulasse. Slim, les vrais hommes boivent du café. Et les vraies meufs kiffent les vrais hommes qui boivent du café. Tu kifferas. Ludo, avec ou sans sucre, qu'est-ce que je te sers? Les couilles, mais pas trop fort. Et me parle plus comme ça, gamin, ou je te casse les dents à coups de talon. Ouais, tu vois, là c'est trop, Ludo. Ouais. Là, c'est trop. Ah, ouais. Là, je m'en doutais, ouais. Avec du sucre, alors, s'il te plaît. Et une touillette. Ouais, je m'en doutais. Allez. Hasta la merda, bambino. Hasta la quarta. Fin tout. Adam, j'ai une surprise. Cool. Tiens. C'est pour toi, fils. Waouh. Quel cadeau, hein. What a gift. Merci, Paps. Fallait pas, fallait vraiment pas. Écoute, c'est une tradition dans la famille de se donner les montres entre hommes. De père en fils. Tu veux dire de mère en fille, Paps. T'as vu la couleur de la montre? Non, elle a pas de couleur. Regarde. Elle a la couleur de l'amour. Tu comprendras plus tard. Mon père me l'a offert quand j'avais 16 ans. J'étais super fier. Elle est pour toi. Bah c'est... C'est tellement... Dis rien, ne dis rien, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Je t'aime tellement. Mon bébé. Ah, je suis content. Mais c'est quoi cette montre? Elle vient d'où? Ça? C'est un cadeau pour toi, ça. C'est une tradition familiale depuis des années. Entre frères et sœurs dans la famille, à chaque fois, moi, qu'on m'offre un cadeau pour Ave, eh ben, je te le donne. C'est cool, non?